Déjà, au niveau du transport à côte, ce n'est toujours pas mon problème. Si tu arrives chez jeune pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois, ce système de transport, c'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur en termes d'efficacité, pollution dans ce système de transport. Ou encore transport en commun. A aujourd'hui deux centres d'Est dans le monde. Un premier centre en Biélorussie, à Marina Gorka, et le deuxième centre aux Émirats Arabes Unis. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique. Il s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules de transport. Des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Cette image, c'est une flash. Il allait jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feux d'un arbre. C'est magnifique. Comme je disais, il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète. Qui ne voudrait pas un système de transport pareil qui peut permettre d'économiser? Allô. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à ce Une fois de plus, webinaire. je reviens te parler. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Dans ce webinaire, nous parlerons des différents points suivants. Alors, nous commencerons par le transport à cordes et ses avantages, bien évidemment. Et ensuite, nous verrons les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement, les problèmes et risques, les systèmes de sécurité actuels, les possibilités, les perspectives, le système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr, et aussi quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Nous terminerons bien évidemment par quelques dernières nouvelles intéressantes du projet. Alors, comme d'habitude, je suis de Nassim Girard et j'ai rejoint ce projet depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui encore, je continue d'augmenter mes parts d'action dans ce projet parce que j'ai compris que nous apportons au monde une solution innovante dont il a besoin. C'est le transport dont le monde a besoin. Nous parlons du transport U-Sky. Il s'agit d'un transport qui se déplace au-dessus du sol souterrain à côte à haute résistance. La structure de la voie est au-dessus du sol, ce qui permet d'éviter les embouteillages. Le système fonctionne à l'électricité et peut donc permettre d'éviter la pollution de l'environnement. Pas de frontières. Ce système de transport peut être construit sur n'importe quel terrain, avec n'importe quel climat. La sécurité. Parlons de la sécurité. La structure de trajet est située au-dessus du sol. Cela augmente la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter tout facteur humain. Pas d'embouteillage donc. Ce transport, en plus d'être sécuritaire, il est écologique, car il fonctionne à l'énergie électrique, économique. Les frais de construction des voies sont jusqu'à 20 fois moins élevés que tous les autres types de transport. Les vitesses de déplacement, ce transport va jusqu'à 500 km/h.
c'est deux fois plus vite que le Sapsan, le train le plus rapide de Russie. Alors, les transports modernes ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et voici ces différents problèmes que nous avons résumés en quatre principaux, que sont la destruction de la nature, les embouteillages, les problèmes de pollution, ou finir par les problèmes d'accident. Aujourd'hui, beaucoup de solutions existent déjà, mais sont toujours avérées inefficaces. Alors, voici donc ce que Unis Christine Technologies propose comme solution à ces différents problèmes. La compagnie propose donc plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. On a l'UniWind, UniBike, UniBus, UniCar, UniTruck et aussi de marchandises. Voici l'UniBus, l'UniCar, l'UniFlash, l'UniTrans. Ici, nous avons quelques images de ces différents modèles de véhicules. Observez bien, on se rend compte que nous avons tout un éventail, toute une panoplie de modèles de véhicules et chacun peut être adapté en fonction de la région, du climat, du choix du client et autres. Ici, c'est une image de l'UniWind avec quelques caractéristiques. C'est un véhicule électrique léger, monorail de faible capacité. Ici, nous avons un UniWind, une autre image, bien évidemment, un UniBike, véhicule électrique de tourisme léger, hors bord monorail, une autre image, bien évidemment. Ici, nous avons un UniBus, qui est un véhicule électrique de tourisme aussi, qui est destiné au transport urbain et interurbain. 14 places, qui peut aller jusqu'à 150 km par heure. Un UniBus. Et ici, un UniCar, qui peut aller à la vitesse de croisière de 150 km par heure. C'est un véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable conçu pour équilibrer les rues de la ville des embouteillages. UniCar, 3x6 places. Ici, on a l'UniCar version tropicale qui a été améliorée pour un fonctionnement dans les climats chauds et humides, élevé afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. UniCar tropicale. Et ici, nous avons deux de nos partenaires qui sont dans cette UniCar-là. Voyons là le curateur régional du Cameroun qui a fait un tour là et cela a permis à beaucoup de personnes de comprendre que ce projet est réel, c'est du concret. Un UniFlash, véhicule de tourisme suspendu sur roues en acier, conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Sa capacité, c'est 6 places et il peut aller jusqu'à 500 km par heure. C'est deux fois plus rapide, comme on l'a déjà dit, que Sapsan, le train le plus rapide de Russie. Le fonctionnement d'un UniFlash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Imaginez-vous, ainsi, 1 000 UniFlash avec l'aérodynamique unique, les propriétaires peuvent économiser jusqu'à 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. C'est énorme. Qui ne voudrait pas d'un tel système de transport? Qui ne voudrait pas faire de telles économies? Alors ici, on a d'autres photos. OK, des leaders du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, devant, plaçant très fièrement devant un UniCar à grande vitesse UniFlash. Le transport de marchandises est conçu pour transporter des marchandises sur des distances de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner toute l'année dans diverses conditions climatiques. Dans des endroits éloignés et inaccessibles, dans les zones de haute altitude et des zones désertiques.
L'Utruc est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure, avec chargement et déchargement automatique. UConte, celui-ci est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 et 40 pieds. La vitesse de transport maximale 150 km par heure. Le chargement et déchargement automatique. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par les systèmes de contrôle automatisés. Litrans, qui est une solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et déchargement des terminaux portuaires maritimes. Alors, les ports maritimes aussi. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises jusqu'à dans les ports maritimes sont la livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. Deuxième élément, c'est il est possible de livrer la marchandise au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portuaire et le système de transport jusqu'à forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison de marchandises. Les villes linéaires en union avec la nature font aussi partie de Yuskay. Les pistes de Yuskay contribuent au développement de la ville linéaire. Les villes linéaires, donc, peuvent être construites dans les montagnes, dans les eaux désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur des plateaux marins. Une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Sky intégrés utilisant des technologies brevetées de rail Sky et de viaduc Sky. U-House. Verte, écologique et durable. La seule aux Émirats arabes unis entièrement construite à base de bois. Les maisons en bois sont une alternative écologique et économique que la maison traditionnelle en briques et en béton. Cela dit, U-House répond aux normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales. C'est tout un oasis en plein désert. Comment fonctionne donc la technologie? Alors, nous avons ici affaire à une technologie qui fonctionne, comme on l'a déjà dit, sur des rails à cordes à haute résistance. Ici, nous pouvons voir les différents éléments du rail. On a la tête du rail, on a les cordes, qui sont les points blancs que vous voyez là, qui sont des faisceaux de fils d'acier précontraints. On a le béton de remplissage, qui est un béton spécial. Et on a le corps du rail. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile et des sols faibles et de pergélisol. Les sols faibles et de pergélisol, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre et des zones inondables. Imaginez-vous, c'est énorme. L'intégration des communications externes, produits réseaux électriques et réseaux d'information sur l'infrastructure existante peut être faite aussi. Le transport est 5 fois plus et 3 fois plus fort que les rails conventionnels. La flexibilité, la rigidité et la semi-rigidité. Ce sont les 3 modèles de rails à cordes que l'on trouve. Les flexibles, les rigides et les semi-rigides. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Le modèle du Sky peut fonctionner au gaz naturel, au méthane et à l'hydrogène et d'autres gaz, d'autres carburants respectueux de l'environnement. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le docteur Anatoly Nitsky et il a reçu aussi un brevet pour cela. Alors, quelques avantages de ce transport dont nous parlons. L'aérodynamisme du transport à cordes est plusieurs fois inférieur, supérieur autant pour moi à celui d'une voiture conventionnelle moderne, près de 10 fois supérieur. Alors, et pour des raisons d'aérodynamisme, donc, ce transport peut permettre d'économiser, comme on l'a vu, jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Ici, Yuskay surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques.
Le coût pour construire sont, les coûts pour construire sont très bas, la maintenance basse aussi, la consommation énergétique basse, la capacité énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que Yuskaï est le système de transport le plus rentable. Ceci est également confirmé dans la conclusion de l'Académie des sciences de Russie et signée par le directeur de l'Institut des problèmes de transport nommé d'après N.S. Solomenko, ouvrier émérite des sciences de Russie, docteur en sciences de l'ingénieur professeur Billy O.V. Alors, ici, dans ce tableau, nous avons une comparaison faite des différents types de transports les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. On se rend donc compte que Yuskaï est 10 fois moins cher. 10 fois moins cher que les solutions de transport en perspective même. On a ici le monorail, on a le train à lévitation magnétique et on a le Hyperloop. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur, à tout seigneur, tout honneur, comme j'aime le dire, Anatoli Edvardovitch Yunitsky, qui est un scientifique et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction des transports, de la construction mécanique, des industries électroniques et chimiques, créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur des technologies à corps. Les chefs, ok, deux projets de l'ONU en 1998 et 2002, membre de la Fédération cosmique de l'URSS, bien évidemment fondateur du groupe de société Unisystem Technologies. Alors ici, c'est une image qui montre les premiers complexes de rails à cordes de la première génération qui a été construite en 2001 dans la ville d'Oziori, région de Moscou. À cette époque, un camion ZIL 131 était utilisé comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé « Capacité de civilisation de la planète de la de la maison spatiale appelée Planète Terre. Il a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète, ainsi que la survie et le développement progressif de toute l'humanité. Alors, c'est une photo ici du curateur régional du Cameroun avec le CEO. Quelques brevets et récompenses également. Alors, un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de qualité appliqué par la technologie de transport à cordes à la norme internationale ISO 9001 est inscrit au registre de l'agence de certification TÜV Thüringen. Système de gestion de qualité pratiqué dans la société de conception de projet Yuskaï permet de réduire les risques financiers, d'optimiser les processus opérationnels, d'augmenter la capacité de production et de réduire les dépenses de production de produits développés, augmentant ainsi leur rentabilité et leur attractivité sur le marché international. Voici donc un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de la qualité appliquée par Unisystem Technologies à la norme ISO 9001-2015. Unisystem Technologies développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. Le transport à cordes aux Émirats Arabes Unis a fait l'objet de plusieurs certifications qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'injection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre USTI à Sharjah. Ce transport
Accord. OK. Cette technologie Yuskai a été certifiée aux Émirats arabes unis. Regardez vous-même ce certificat de conformité. La certification passée confirme la conformité aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité, de durabilité du transport à cordes. Sur le long terme, cela simplifiera le processus de décision de coopération pour les futurs clients du monde entier. Yuskai Technologies est un partenaire fiable et consciencieux des activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Il est donc inscrit au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Ce certificat est offert par la Chambre de commerce. La Chambre de commerce et d'industrie biélorusse est une association volontaire de 2500 industries qui représentent le spectre d'entrepreneuriat biélorusse. YST Inc. a obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. Cette entreprise a plusieurs brevets et récompenses aussi. Vous pouvez tous les retrouver sur le site niski.ingénieur. La technologie Yuskai a eu une renommée mondiale. Pendant 7 ans, cette technologie a été présentée au public mondial dans le cadre de plus de 20 expositions internationales. Ici encore, c'est la présentation de ce Skypod qui a été faite lors du salon InnoTrans Berlin en 2022, l'année dernière, en septembre 2022. Et je tiens à signaler que cette exposition au salon InnoTrans 2022 a été présentée, ok, ce transport a été présenté par l'AST, l'Autorité des routes et des transports de Dubaï, sont eux qui ont présenté cette technologie de transport innovante, utilisant bien évidemment Yuskai Technologies. La coopération avec les entreprises internationales aussi sont faites. Vous savez, pour connaître la fiabilité d'une entreprise, il faut connaître qui sont ses partenaires. C'est très important. Alors, Dassault Systèmes est l'un des partenaires privilégiés, ok, l'un des grands partenaires de Yuskai Technologies, qui a aidé à implémenter la technologie 3D Experience dans la production du transport à cordes. La production des composants pour le transport à cordes nécessite des équipements modernes offerts par Dassault Systèmes. Les sociétés telles que ASP aux États-Unis d'Amérique, Mafenec en France, ok, Mafenec Team, et nous avons aussi Quadratic, nous avons ASP, nous avons Voestalpine. Quelques positions et résultats donc. Yuskai Technologies a réussi l'audit annuel des états financiers individuels. Une expertise à Bell Audit, elle a réussi à effectuer un audit conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie du 12 juillet 2013 sur l'audit et aux règles nationales d'audit. Selon la conclusion des représentants de Finexpertisa Audit LLC, les états financiers individuels annuels 6 juin reflètent fidèlement la situation financière d'une Yuskai Technologies à tout égard important. La société de transport, la société de développement du transport à cordes a passé un audit financier international réalisé par la SARL, SARL BDO, qui est une entreprise biélorusse aussi, qui fait partie de l'Association internationale des sociétés indépendantes BDO International Limited. La succursale fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit dans le classement du ministère des Finances de la République de Biélorussie. Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir depuis lors? Voici donc un bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. La capitale Minsk de la Biélorussie, il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise.
Alors, ici, nous avons la zone de production en Biélorussie, constituée de 10 000 mètres carrés. Le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clés du transport à cordes, fabrication des accessoires, appareils composants, essais, ensembles mécaniques et appareils électroniques, ou essais, production des prototypes également. La zone d'extension, l'extension de la zone de production en Biélorussie. À côté de cela, l'éco-technoparc, on a un éco-technoparc, autant pour moi, qui est un centre de test en Biélorussie, dans la ville de Marienagorka, qui couvre une superficie de plus de 30 hectares. Vous imaginez. Et dans cet éco-technoparc, comme on peut le voir ici, il y a un étang où on peut pêcher des poissons et les faire goûter aux visiteurs pour leur faire comprendre que notre technologie est écologique, vraiment écologique. Alors, si nous avons quelques images de l'éco-technoparc en Biélorussie, et notre entreprise aujourd'hui combine près de 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études et technologies spécialisées avec production pilote, 36 bâtiments et structures, plus de 3 000 unités de machines d'équipement, 36 hectares. Le centre de test suspect à Sharjah est le deuxième centre de mise en œuvre la technologie innovante de U-Sky. Une superficie de plus de 25 hectares. Dans le centre, il y aura 4 pistes. Début de la construction, c'était au printemps 2019. Les premiers essais ont commencé en automne. Et lors de l'essai, il y avait le premier essai. Je tiens à signaler que l'émir de Sharjah était présent. L'équipe d'Uniscristine Technologies est constituée de concepteurs, d'ingénieurs, concepteurs de projets, chercheurs hautement qualifiés possédant une excellente formation et une expérience de travail dans les projets majeurs. Dans les plus grandes sociétés d'ingénierie de Biélorussie. Alors, nous avons cette annonce claire. Du chef du centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah sur le transport à cordes. Il dit, une start-up biélorusse en partenariat avec SRTIP, Sharjah Research Technology and Innovation Park, a déjà construit des pistes d'essai suspendues et qui pourront transporter cargaison et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Sharjah. Ceci est une très bonne nouvelle pour nous, pour tout ce qui arrive aujourd'hui, pour tous les investisseurs. Ici, nous avons donc Madame Nadeska Kozareva, qui est la directrice générale d'Uniscristine Technologies. L'équipe est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises mondiales. Ceci, c'est une photo qui montre le centre de test à Dubaï, à Sharjah, autant pour moi, une superficie de 25 hectares. Vous ne pouvez pas rater cette plaque lorsque vous y allez. Ici, c'est l'équipe, ceux qui travaillent à Sharjah acharnement pour pouvoir faire connaître cette technologie. Alors ici, nous avons une image claire qui montre l'avantage de ce transport. Commençons juste par une icône qui montre le prix 1 dollar pour 100 tonnes par kilomètre. Énorme. Vraiment, c'est énorme. Ici, c'est les contacts du chargeur donc pour pouvoir y faire un tour et avoir profité d'une visite de ce centre. Vous pouvez contacter ce numéro de téléphone et prendre rendez-vous. Ici sont les contacts pour Minsk. OK? Ceux qui veulent aller en Biélorussie au centre de recherche de Biélorussie, l'éco-technoparc, vous pouvez contacter ce numéro. Là, le magnifique nouveau site web d'Uniscristine Technologies Inc.
C'est UST.inc slash. Il a été changé. Alors, des reportages dans les médias du monde entier. Tout un éventail de reportages sur la technologie et la société a été diffusé dans la télévision dans différents pays. Depuis lors, les grands investisseurs sont en train de se manifester. L'entreprise a été immergée par les coups de fil et emails partout dans le monde. Le transport du Sky est le meilleur endroit pour les jeunes explorateurs. Le centre des décès et des certifications du Sky a récemment été visité par un étudiant de l'université américaine de Sharjah, accompagné du superviseur de la direction des routes et des transports de Dubaï et de Jacobs. C'est ainsi qu'il se prépare à défendre sa thèse. Un jeune ingénieur est engagé dans la recherche du système de charge sans fil dynamique non conventionnel pour les véhicules électriques. Étant donné que tous les véhicules jusqu'à transport électrique sont électriques, c'est une excellente occasion pour les chercheurs en herbe d'obtenir des réponses à leurs questions et de trouver l'inspiration. Après tout, l'expérience colossale à l'atelier Uniski, qui est le fondateur et concepteur général jusqu'à transport, ainsi que tous les ingénieurs du centre d'essai de certification, est un véritable entrepôt de connaissances. La visite de la haute direction d'Ayalon Highway au centre Sky. En novembre dernier, le centre d'essai des édifications a reçu la visite d'Iran consultant logistique chez Corintech Technologies. Il voulait se familiariser personnellement avec la technologie de transport Sky et se préparer à la future visite de ses collègues. Alors, 4 mois plus tard, Irène Ilas est revenu avec le groupe de direction d'Ayalon Highway qui comprenait aussi les vice-présidents seniors des projets d'initiative et Oren Calfon, vice-président senior de la technologie. Ayalon Highway est une société d'État et un leader dans la mise en œuvre de projets de transport à grande échelle dans l'espace urbain. La mission d'Ayalon Highway est d'initier, de planifier, de mettre en œuvre, d'entretenir et de gérer les infrastructures de transport et les solutions de pointe qui favorisent l'utilisation efficace des routes. Sky Transport est un logistique énergétique efficace et économique. Une région, une grande délégation de la compagnie pétrolière et gazière des Émirats Arabes Unis, ENOC, dirigé par Zaid Al-Faidi, directeur général du commerce des détails, a visité le centre d'essai de certification du Sky. Aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étape 14.3. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre très vite parce qu'après l'étape 14.3, c'est l'étape 15, ensuite l'étape 15.1. Et cela va aller et se terminer bien plus vite que ce que vous imaginez. Tout le monde peut participer, ok? Tout le monde à partir d'un montant minimum de $50. Vous pouvez aussi faire des paiements à partir de $250 sur 5 mois, soit $50 par mois. En participant à ce projet aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous